Au Centre d'art contemporain de la Matmut à Saint-Pierre de Varengeville, en Normandie, c'est un jeune artiste turbulent de 93 ans qui est présenté depuis quelques jours. Rolio Leparc a derrière lui une œuvre considérable, à la fois dans son parcours personnel et dans son parcours de groupe au sein du Grave, et il s'est interrogé tout au long de sa vie sur la place de l'artiste, sur la fonction de l'œuvre d'art, son statut, et l'œuvre infinie, titre de l'exposition qui est présentée à Saint-Pierre de Varengeville, témoigne de ces interrogations. Dès 1960, en effet, apparaît en France le Grave, groupe de recherche d'art visuel auquel participe Rolio Leparc avec ses amis Sobrino, Stein, Morlaix, Ivaral et Garcia Rossi. Ce groupe a à la fois présenté beaucoup d'œuvres collectives qui s'intéressaient à l'art cinétique, mais plus généralement à la relation entre le spectateur et l'œuvre. Il s'agit déjà d'un prémisse de l'art relationnel et l'ensemble du Grave a manifesté de nombreuses fois dans ce domaine. Rolio Leparc, lorsque j'ai eu le plaisir de le recevoir dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, témoignait de cette expérience collective qui a marqué considérablement son parcours. Je vous propose d'écouter et de voir quelques instants de cet entretien avec Rolio Leparc. Et ensuite, en venant à Paris, on est venu plus ou moins en groupe. Je suis arrivé, et ensuite il y a Sobrino, Garcia Rossi et d'autres de Marc. Ils sont arrivés, on travaillait, on discutait ensemble, des choses qu'on avait déjà commencé en Argentine. Et ici, on a eu l'idée de créer un groupe de travail, et on a trouvé des artistes français comme Morlaix, Stein, Ivaral et d'autres. Et on a discuté, et on a formé les groupes de recherche d'art visuel pour travailler, confronter, pour développer une démarche qui nous semblait commune à tous. Et il y avait des différents aspects, il y avait l'aspect optique, il y avait l'aspect des objets de différentes sortes, il y avait par la suite les mouvements. Moi j'ai travaillé beaucoup avec la lumière et il y avait aussi les préoccupations concernant la participation des spectateurs, trouver une art qui soit moins élitiste, qui soit plus direct et qui puisse établir des contacts plus précis avec un vaste public. Et on a fait différentes sortes de recherches, n'est-ce pas, comme les sorties dans la rue et d'autres. Alors, de ce point de vue, ma démarche, c'était en confrontation continuelle avec d'autres artistes, soit à l'intérieur du groupe, comme celle qui faisait partie de la nouvelle tendance, avec les groupes, celle qui existait à Milan, le groupe OT, à Padu, le groupe N, et d'autres artistes qui travaillaient, ou l'équipe 57 qui travaillait à Paris à ce moment-là. Je pense qu'il y a parmi les artistes, parce que j'ai eu l'occasion de trouver beaucoup d'artistes dans toutes ces différentes choses, soit des artistes français, comme des latino-américains ici ou en Amérique latine, ou des artistes en Europe, surtout autour de la nouvelle tendance. Il y avait des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Yougoslaves, etc. Il y a parmi beaucoup d'artistes la certitude de sa propre situation, qui en général c'est une situation presque d'impuissance. On dit voilà, on fait des choses, on est plus ou moins conditionné à faire des tableaux, et ensuite il y a un marché qui va établir sa valeur, il y a des critiques d'art qui vont dire s'ils sont bons ou pas bons, et il y a tout un processus qui à la fin c'est très, ça peut être si on veut très décourageant, très négatif, parce qu'on fait un effort des années de travail, et la destination finale de l'œuvre, dans le meilleur des cas, c'est qu'il soit dans une collection privée parce qu'il l'a acheté, qui a permis vivre l'artiste, travailler, développer son travail, avoir un petit peu de confort des fois. Et ces productions, il finit dans la maison de quelqu'un qui a de l'argent, ou dans les cas des plus grandes spéculations, dans les coffres forts, ou sinon, ils vont dans les musées, et dans les musées aussi avec un système très, très restrictif de rapport entre l'art contemporain et le public.